Bonjour! Bienvenue aux capsules de natation du Centre sportif du Parc olympique. Je suis Audrey Lacroix, j'ai participé à 3 Jeux olympiques en natation. Les débutants apprennent souvent la brasse en premier, car il s'agit d'un style où il est facile de coordonner sa respiration avec ses mouvements. La brasse se pratique sur le ventre et se base sur les actions successives, coordonnées et symétriques des jambes et des bras. Il y a 3 étapes importantes: la poussée des jambes, la glisse et l'action des bras. Cette capsule vidéo se concentrera sur le mouvement des jambes en style brasse. La poussée des jambes est responsable en grande partie de la propulsion. Il est donc très important que l'action des jambes soit efficace. Voici les points à retenir. Au moment où les jambes seront repliées, les pieds doivent être fléchis. Ils ne reviendront en extension qu'à la fin du mouvement propulsif, soit lors de la glisse. Au début de la poussée des jambes, les genoux doivent être séparés à la largeur des épaules. Mes jambes sont repliées, mes pieds sont fléchis. Mes genoux sont à la largeur de mes épaules. Je commence le mouvement jambes en poussant vers l'arrière de façon parallèle à la surface. À mi-chemin de la poussée, mes genoux se resserrent vers l'intérieur. Je termine la poussée, mes pieds se rejoignent en extension. Je ramène mes jambes vers mes fesses, mes pieds se fléchissent.